Vous avez vu ce temps? Il n'y a pas un nuage, pas un nuage. C'est magnifique. Le ciel bleu, le lac semble désert. On dirait qu'il est là que pour moi. On va se régaler. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo pour ce vlog numéro 6. Aujourd'hui, on est sur le lac de Parelou. C'est un très très grand lac de barrage. Donc, vous voyez, depuis que je suis arrivé, le vent s'est bien levé. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'était de venir pêcher à longue distance. Et on va voir dans cette vidéo un petit peu comment pêcher à longue distance, comment rester précis quand on pêche loin et comment atteindre des distances de pêche qui sont intéressantes au feeder. Donc ici c'est important parce qu'on est sur un très grand lac de barrage. Les étendues d'eau sont très très vastes et du coup quand on va pêcher à longue distance, on va regrouper les poissons plus rapidement et aussi ça va garantir de prendre peut-être des poissons plus jolis, faire entrer les brèmes plus vite. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc comme vous pouvez le voir là sur la berge, les pentes sont douces, tout ça, ça continue dans l'eau et pour trouver 4 à 5 mètres de profondeur dans une eau aussi claire, il faut que je pêche à 60 mètres. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai clippé toutes mes cannes à 60 mètres. Et je vais vous montrer comment lancer et aussi quel est le matériel à utiliser, comment adapter son matériel pour pêcher à longue distance. Pour moi, on commence à pêcher loin au feeder quand on atteint déjà les 50 mètres. Après, tous les paliers de 10 mètres qu'on va vouloir franchir, ça sera de plus en plus dur. C'est-à-dire que pêcher à 50 mètres, c'est pas comme pêcher à 60 et ainsi de suite. Je dirais que les paliers les plus durs, c'est de passer de 60 à 70, 70-80 et après au-delà, ça devient vraiment une affaire de vrais spécialistes. Donc là, j'ai clippé mes lignes à 60 mètres de la berge. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de vent. Du coup, pour atteindre cette distance, il faut vraiment faire comme si on pêchait beaucoup plus loin, en fait. Le vent, c'est un gros handicap dès qu'on va vouloir pêcher loin. Donc le challenge, c'est d'arriver à rester précis, malgré la distance, malgré les coups de vent. Donc déjà, c'est bien maîtriser le geste de lancer. Donc pour ça, le mieux c'est de se mettre debout, d'écarter légèrement les pieds, mettre un pied devant l'autre. On remonte sa bannière, on laisse environ 1,50 m à 2 m de bannière entre le feeder et le bout du sion. J'ouvre le pick-up du moulinet, je prends mon repère sur la berge en face, je passe bien à la perpendiculaire au-dessus de la tête et je tire avec ma main gauche. Voilà, moi je suis droitier. Alors, je ne suis pas le meilleur modèle pour ce qui est de lancer, mais je sais qu'il faut vraiment tirer avec sa main gauche. On va le refaire. Quand on maîtrise bien le geste de lancer, on n'a pas besoin de forcer outre mesure pour arriver à atteindre des bonnes distances. Et parce que plus on force, plus on va être imprécis, en fait. Hein. Plus le geste sera fluide, plus on pourra conserver la précision. Donc, je laisse bien de la bannière à dépasser. Je passe derrière et je reviens en poussant avec la main gauche. Voilà. Je vous remontre encore. Donc la main droite se positionne au niveau du moulinet. Et ce n'est pas elle qui force. C'est la main gauche. On la positionne bien ici sur la portion de la canne. On va derrière. Et on lâche le fil quand on est bien passé devant. Voilà. En faisant comme ça, on utilise parfaitement sa canne.
on force moins et on arrive à pêcher à 60 mètres sans trop de difficultés. Donc voilà pour cet aspect gestuel. J'espère que ça pourra vous aider. On va passer ensuite au matériel. Donc adapter son matériel, ça veut dire choisir une canne qui soit bien configurée pour les lancer à longue distance. Donc là par exemple, moi j'utilise une canne Daiwa Tournament SLR en 13 pieds. Donc 13 pieds c'est 3,90 m, c'est la bonne, je dirais c'est la bonne taille pour pêcher loin. On peut aussi utiliser des cannes de 4,20 m dès qu'il faut pêcher par exemple à plus de 70 mètres. Ou des cannes de 3,60 m pour tout ce qui est les pêches, je dirais, entre 50 et 60 mètres. Donc les caractéristiques de ces cannes longue distance qui existent chez tous les fabricants, c'est d'avoir une très bonne réserve de puissance, surtout ici sur le blanc au-dessus du porte-moulinet, d'avoir une bonne réserve qui permet de bien restituer toute l'impulsion qu'on va donner au moment du lancer. Une poignée assez longue, qui soit bien proportionnée par rapport à la taille du bras et pour pouvoir bien exécuter son geste. Et des anneaux de gros diamètre, des très gros anneaux. Autre élément important qu'il faut associer à ce type de canne, c'est un moulinet avec une grosse bobine. Donc ici, j'utilise un moulinet Cast IZM 25 QDA de chez Daiwa. Donc c'est à la base, c'est un moulinet qui a été fabriqué pour les pêches de carpe. Donc c'est un moulinet avec une bobine large et haute qui permet en fait dès qu'on va lancer de pouvoir libérer une grosse quantité de lignes. Donc la ligne va pouvoir sortir du moulinet très rapidement. Combiné aux gros anneaux, on va avoir quelque chose qui sort du moulinet très vite et qui va glisser à travers la canne rapidement. Donc ça aussi, ça permet de gagner en distance. On associe un moulinet avec une grosse bobine à une canne avec des gros anneaux. Là aussi, on ne fait pas l'un sans l'autre. Autre élément qui est indispensable, c'est le choix de la ligne. Plus on va utiliser une ligne fine, plus on va pouvoir avoir des lancers lointains, tout simplement pour une question de frottement et de glisse. On utilise au feeder de la tresse. La tresse permet d'avoir une ligne fine, tout en conservant aussi de la sensibilité pour voir les touches sur le sion. La tresse n'a absolument aucune élasticité par rapport au nylon. Elle permet de restituer les touches de la meilleure des façons sur le sion de la canne. Donc ici j'utilise la tresse Gourou en 8 brins, qui est une tresse spécialement développée pour le feeder, donc qui a une glisse parfaite dans les anneaux, qui ne fait pas de bruit dans les anneaux, qui coule aussi très bien. Là j'utilise la tresse en 10 centièmes. Associée à la tresse, je réalise une tête de ligne en nylon, en 28 centièmes, un nylon assez épais quand même pour supporter les lancers répétés. Donc la tête de ligne, c'est une portion de nylon qui vient au bout de la tresse et sur laquelle on va pouvoir réaliser le montage. La tête de ligne, c'est vraiment super important parce que ça va servir aussi d'amorti au moment du ferrage. Ça va aussi servir à amortir les coups de tête, par exemple des brèmes, quand elles arrivent devant l'épuisette. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Le dernier point qui nous reste à voir, c'est le choix des feeders. Et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite.
Le choix du feeder, c'est vraiment quelque chose de très important. Tout simplement parce que le feeder, c'est le projectile. C'est celui qui va entraîner la ligne à longue distance. Donc on va choisir de préférence un projectile qui soit aérodynamique, qui soit bien équilibré, qui soit bien symétrique et qui puisse voler bien droit et traverser l'air sans aucun problème. Pour ma part, j'utilise trois types de feeders différents en fonction de ce que je veux faire dès que je pêche à longue distance. Le premier, c'est le feeder roquette ou missile. Donc c'est un feeder dont le plomb est décentré par rapport à la cage. L'avantage, c'est que le plomb est en pointe, est complètement aérodynamique et vole très très bien. L'inconvénient, c'est qu'on a un petit peu de mal à remplir ce feeder comme on le ferait sur une cage classique. Le deuxième modèle, c'est le modèle distance. Donc c'est une cage classique à laquelle est ajouté un plomb qui, lui, est circulaire et épouse la forme de la cage. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on garde la précision, la longueur des lancers avec cette plombée terminale. Et le gros avantage, c'est qu'on peut le remplir, voilà, comme une cage classique, c'est-à-dire faire des bouchons d'èche au milieu ou bien remplir, bien tasser ses feeders. Donc celui-ci, ce modèle-là, c'est le modèle Guru Exchange Feeder. Donc c'est un modèle qui a la particularité d'avoir une plombée interchangeable. Donc on a le feeder, la cage et les plombs qui sont associés. Donc des plombs de poids différents. Donc l'avantage aussi de ce modèle, c'est qu'il est parfaitement lisse à l'intérieur. Et quand on ramène son feeder, on sent moins de résistance. Le dernier modèle que j'utilise, c'est le window feeder. Donc ça, c'est vraiment un modèle particulier. Une espèce de capsule avec une plombée terminale. Alors c'est le modèle qui vole le mieux. Dès que vous allez pêcher à plus de 70 mètres, il faudra utiliser un window feeder de 40, 50, 70 grammes. Quand on remplit le window feeder, on n'est pas obligé de beaucoup tasser son amorce. Donc si vous pêchez très loin du bord, dans des profondeurs très faibles, inférieures à 2 mètres d'eau, c'est vraiment le feeder qu'il vous faut parce que vous allez pouvoir à peine tasser l'amorce qui va complètement exploser dès l'impact du feeder. Donc ça, c'est un feeder qui vole pratiquement aussi bien qu'un plomb, donc vraiment pour les très très longues distances. On peut aussi faire remplir d'èche et juste fermer la fenêtre avec un petit peu d'amorce, donc ça c'est pas mal dès qu'on pêche les gardons ou qu'on pêche quand il y a beaucoup de poissons. Pour ma part, je vais mettre un terme à ma journée de pêche. Je vais vous faire un petit topo et puis on va regarder les poissons que j'ai attrapés ensemble. Voilà, on va se quitter sur la pêche du jour. Donc c'était vraiment une belle journée avec beaucoup de soleil, ça c'était vraiment agréable. Je suis revenu à Parolou pour cette vidéo et ça fait vraiment plaisir parce que j'adore pêcher ce lac et particulièrement cet endroit. Ça me rappelle plein de bons souvenirs. Voilà, c'était vraiment une super journée. Le vent m'a un petit peu handicapé pour les lancer, pour la précision, mais c'était un super exercice. Voilà, je suis heureux de vous avoir fait un petit peu partager mon approche, essayer de vous faire découvrir peut-être la pêche à la longue distance au feeder. Et puis j'espère que vous mettrez en application certaines choses que vous avez vues dans la vidéo. Bon, vraiment, la pêche, c'était sympa. Ouf, il y a quelques poissons quand même, malgré tout, donc ça, c'est plutôt bien. Avec quelques beaux rotangles, quelques beaux gardons. Voilà. Quelques brèmes aussi. C'était vraiment une bonne journée, quoi. Je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mon site web pêchefeeder.com et surtout, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.